L'école Gustave Roch d'Aigrefeuille, c'est une école primaire, donc qui va de la maternelle jusqu'au CM2, et qui a 11 classes. Et donc ça regroupe à peine 300 élèves. Alors notre projet d'école tourne beaucoup autour de la citoyenneté et le fait que les enfants soient acteurs dans la gestion des conflits, par exemple, et dans le climat serein de l'école. On le décline depuis 2 ans sous la forme de conseils d'élèves, donc des délégués sont élus chaque période ou 3 fois dans l'année, et puis montent des projets pour que la cour soit plus facile à vivre pour eux, comme donc on a acheté des nouveaux jeux sur leur idée, des tracés qui sont au sol sur leurs idées ou celles des parents d'élèves. On essaye que cette école soit au centre de la vie de tous, parents, enseignants et enfants. En ce qui concerne ma classe, cette année on a travaillé autour du journalisme, notamment avec l'intervention 2 fois d'Anthony Marsais. Et puis nous avons aussi souhaité découvrir ou redécouvrir notre environnement, que ce soit proche à Aigrefeuille ou un peu plus large comme à Nantes. On vient de faire une sortie à Nantes pour découvrir Nantes sur le thème de l'esclavage en étudiant l'architecture par exemple. Mais nous avons aussi fait des randonnées ou des rallyes à Aigrefeuille ou sur Nantes.